previously. The U.S. government is bringing criminal charges against Edward Snowden. Today he came out as the leaker of classified... We were anonymous, even to our lawyer in the beginning. But he got the city to agree to reduce the penalty to a $50 fine each for being in the park after dark. And we'd have to accept that if we wanted the statue back. Une fois le buste de Snowden rendu à ses créateurs, Jeff et Andrew, l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'était sans compter avec Grayson Earle, activiste de 28 ans, présent lors du retrait de la statue de sa colonne dans le parc de Fort Greene à Brooklyn. Chaque personne qui était là le matin où il a été retiré était un citoyen révolté. Certains d'entre eux prenaient la police à partie en disant « Pourquoi vous faites ça? Depuis quand êtes-vous devenu nos censeurs ?» Il se passait vraiment quelque chose d'inédit. Qu'on soit de gauche ou de droite, personne n'a envie de vivre dans un système de surveillance de masse. La majorité des citoyens américains seraient même d'accord pour qu'on érige une statue à Snowden. Un jour, il sera blanchi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le soir même du retrait du buste de Jeff et Andrew, l'ancien étudiant en cinéma déboule avec son collectif The Illuminator dans le même square de Brooklyn et remplace la statue manquante de son héros par son hologramme, en fait une projection sur un écran de fumée. Photographiée par des dizaines de participants, cette performance fait le tour du web à la vitesse de la lumière. 4 jours plus tard en Espagne, une centaine d'organisations opposées à la nouvelle loi de sécurité intérieure se réunissent sous la bannière « No somos delito », « Nous ne sommes pas des délinquants » et organisent la première manifestation virtuelle de l'histoire. On a eu ce projet l'été dernier à Montréal, dans le cadre d'une manifestation étudiante. Selon la loi, c'est interdit de manifester à plus de 50 personnes. Dans ce cas, la police vous fiche, elle fait des listes. On ne peut plus manifester si on est plus de 50. Alors on a projeté, on est plus de 50 un peu partout dans la ville. Je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire le plus au monde. Je ne sais pas ce que sera le prochain projet. Je crois que j'aimerais bien illuminer la Maison Blanche. Ça serait vraiment drôle. Il y a eu une grosse manifestation sur le pont de Brooklyn le 17 novembre 2011. Des milliers de personnes ont défilé. Et il y avait un énorme immeuble visible depuis le pont sur lequel étaient projetés des messages d'encouragement. Avec tous ces gens qui marchaient en dessous, c'était vraiment magnifique. Je ne faisais pas encore partie du collectif à ce moment, mais j'ai trouvé ça très beau. Quelques mois plus tard, j'en étais. Né fin 2011, durant Occupy Wall Street à New York, le mouvement anticapitaliste, The Illuminator, compte aujourd'hui 5 personnes qui s'unissent régulièrement à des associations militantes, comme ici les écologistes 350.org. L'objectif, sensibiliser les New-Yorkais au danger du réchauffement climatique en les plongeant virtuellement sous les eaux grâce à de simples vélos équipés de projecteurs. Un humour militant cher à Grayson, son générateur d'haïku, ses petits poèmes japonais, donne encore du fil à retordre à la NSA. Le générateur d'haïku pour la NSA est un projet web qui utilise une liste de termes que la NSA a mis en place pour surveiller les recherches sur Internet.
Si vous rentrez l'un des 750 mots recensés sur cette liste dans votre moteur de recherche, vous finissez sur leur liste noire. Par exemple, il y a une femme à Boston qui, le même jour, a commandé sur Internet une cocotte minute et puis un sac à dos. Elle a vu le FBI débarquer. Donc j'ai développé ce générateur d'haïku à partir de cette liste de mots qu'il assemble de façon aléatoire avant d'être partagé sur Twitter, Facebook ou par email. C'est une façon de montrer l'absurdité de ce genre de méthode. Et c'est aussi une façon de me moquer de la NSA en saturant l'Internet avec tous ces mots. J'aimerais créer un drone projecteur après ça. Ça reste encore à inventer. Parce que pour l'instant, aucun drone ne peut supporter le poids d'un projecteur. Mais on y travaille.